50 ans que pour la première fois c'est une joueuse suisse que j'ai l'honneur d'amener chez quelque part. Bon, tout d'abord, je crois que la majorité des Autrichiens ne te connaissent pas. Peut-être que tu te présentes un peu. Alors, je m'appelle Tess Signo, j'ai 19 ans. Je suis 580 WTA. Ouais. Tu viens d'où ? Et j'habite près de Neuchâtel, en Suisse. Et c'est la première fois que tu as joué un tournoi en Autriche ? Non, j'en ai déjà joué plusieurs, en junior aussi. Tu étais là chez nous, la Spring Bowl ? Non, ça j'ai jamais fait. Non. Mais à Fila peut-être, non ? J'avais joué, je me souviens plus trop l'endroit. C'était. Mais c'était pas près de Vienne. Ah. Qu'est-ce qu'il a comme question ? Malheureusement, tu viens de perdre contre une Slovaque, je crois. Troisième set, 3-6. Ouais, exact. C'était. Toi, la joueur, c'était ta responsabilité ou bien elle a bien joué ? Disons que. De jouer sur moquette, ça m'a pas forcément avantagé déjà. Comment, j'ai pas compris? De jouer sur moquette, carpet, ça m'a pas trop avantagé. Mais c'est vrai qu'elle a fait un bon match. Mmh. Après, je pense que ça s'est joué un peu dans la tête et puis j'ai un peu craqué. Mmh. Ouais, c'est dommage. Ouais. Maintenant, tu rentres chez toi à Neuchâtel ou... Maintenant, je rentre chez moi, oui. Et je repars dimanche à Prague, Tchéquie. Ouais. Ça n'aurait pas été mieux d'aller directement d'ici ? Non. Comme ça, je rentre chez moi, je revois un peu la famille. Mmh. Je m'entraîne bien et puis je suis reparti. Ok. Et tu me dis maintenant, tu es quel numéro WTA, t'as dit ? 580 à peu près. Ouais. Et où est-ce que tu te vois dans une année ? C'est dur à dire, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais... Si tout va bien... À la fin de l'année, déjà, j'aimerais bien être sous les 500. Mm-hmm. Et l'année prochaine, top 300, ça serait bien. Mm-hmm. Et tu t'entraînes à Neuchâtel aussi ? Je m'entraîne à Neuchâtel, oui. C'est un centre qui appartient à la fédération ou... Non, c'est un club privé, mm-hmm. avec des entraîneurs privés, mais c'est pas trop mal. Et tu voyages toujours seul ou... Toujours seul, ouais. Ça c'est dur. C'est dur, hein. C'est très dur, ouais. La plupart des joueuses, au moins ses parents ou... Ouais, ils sont souvent accompagnés. Ouais. Mais bon, j'ai pas le choix, donc je fais comme ça. Ouais, c'est cher aussi d'emmener l'entraîneur. C'est sûr, hein. Ça c'est clair. Comme tu es suisse, tu connais Roger? T'as déjà joué avec lui? Non. Non, non, j'ai déjà vu mais jamais joué. Par contre avec Stan, oui. Avec Wawrinka. Avec elle, oui. Ouais. Il y a longtemps. Tu t'es entraîné avec lui aussi, hein? J'avais une fois j'avais joué avec lui, ouais. Mais c'était, je sais pas, il y a 5-6 ans. Dans le ranking national, tu es où maintenant? 19e. 19e. Ouais. Numéro 1, c'est qui? C'est. Je sais pas si c'est Fugele ou Aprendi, je sais pas. Oh non, même Bencic peut-être. Non, non. Avec ce qu'elle a fait, je pense que. Bon, et tes plus grands exploits jusqu'à présent, c'est. Finaliste d'un 10 000. Pour l'instant, j'en ai 4. J'ai jamais gagné. J'ai 4 finales. 4 ouais. finales, ouais. Hein. L'année dernière ou cette année-là? Deux cette année, je crois. Ouais. Deux l'année dernière. Et où? Il y a eu Espagne, Belgique, Italie et Italie. Deux fois en Italie. Et puis maintenant, Prague, ça va être le premier tournoi que tu vas gagner, hein? J'espère, ouais. On verra. La dernière joueuse que j'avais ici, c'était Pia Koenig. J'ai fait une interview avec elle. Ouais.
il y a 2 semaines. Et puis après, elle a gagné Korczak. C'est juste. C'est pour ça que je suis sûr que tu vas gagner. Ok. Espérons que ça me porte chance. Ouais. En Suisse, c'est encore plus cher que chez nous de s'entraîner. Une heure, une leçon avec un entraîneur, ça coûte combien à peu près? 100 francs suisses. 100 francs suisses, combien d'euros? Je sais pas, 85 euros. C'est pas mal, je crois que bon, change de... Après, ça dépend des structures. Des fois, t'as des prix par mois ou par année, mais ouais. Si tu prends une leçon, ça va jusqu'à 120 francs suisses, je crois. Et la fédération te paye quelque chose aussi? Non. Rien du tout. En ce moment, non, je reçois rien du tout. Et t'es en numéro 19. Bon, quand tu étais junior, là oui, non? Quand j'étais junior, ouais. Mais c'est... Ce qu'il y a, c'est que c'est des cadres. C, ouais. B, A. Et d'après ce que t'es, bah, tu reçois tant par année. Mais c'est pas énorme. Mm-hmm. Ils aident pas trop, la fédération. Et à ton âge, il y a plusieurs joueuses qui ont à peu près le même niveau? Ouais, il y en a quelques-unes. Et après Prague, tu vas encore jouer un autre tournoi ou bien tu vas... Après Prague, non, je m'entraîne une semaine. Mmh. Et après, je sais pas encore où je vais aller, mais peut-être en Italie. On peut encore jouer dehors jusqu'à fin octobre en Italie. Ouais, je pense en tout cas mi-octobre. Bon, on va tout de suite arriver. Il y a 2 minutes, la gare. Ok. La semaine n'était pas parfaite pour toi. Non. Ça peut, la pluie. La pluie, ouais. C'est comme ça. C'est slovaque. Ouais, c'est slovaque. Premier tour, t'as joué contre qui? Une slovaque aussi. Encore une slovaque. Jouer quoi? Certainement, elle l'a dit à celle d'aujourd'hui. Comment jouer contre quoi? Ouais, c'est ça. Ok. Tu vas revenir l'année prochaine? Bah, j'espère. Avec le beau temps en fait, quoi. Ouais. Sans certainement, mais. Non, là, c'était pas de chance cette semaine. Non. C'est pour la première fois que j'ai fait un combined event. Ah ouais. Voilà. Je t'ai passé le petit cœur. Ouais, c'est tout bon. Merci beaucoup. Bon, merci aussi. Attends encore, on va faire un selfie pour terminer. Ah ouais. Bon. C'est cool ça. Ouais. Ok, viens ici. Tu fais ça, je peux. Ok, merci. Merci, hein. À l'année prochaine, certainement.